Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces fleurs de lys en one stroke. Pour commencer, j'ai appliqué 3 couches du vernis L'Oréal 230, qui est un satiné avec des reflets or. Ensuite, j'ai pris de la peinture acrylique, le bleu pan de la marque Deco Art. Et de la peinture blanche Zosanja, le Titanium White. Donc on va commencer par mettre notre peinture sur la palette. Pour le pinceau à one stroke, j'ai pris un mosaïque, celui-ci. Donc comme d'habitude, je trempe mon pinceau dans l'eau. Je l'essuie et je trempe un côté dans le bleu, l'autre dans le blanc. Et je dégrade comme je vous ai déjà montré sur la palette. Et je vais commencer à faire mes fleurs de lys. Donc le blanc va à l'intérieur, le bleu à l'extérieur. Donc là, j'en ai fait une, je vais en faire une autre ici. Je vais reprendre un peu de peinture. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, bien sûr, on attend que ça sèche avant de passer notre deuxième couche. Donc on va passer notre deuxième couche.
pareil pour l'autre fleur. On va reprendre un petit peu de peinture. Donc pensez à chaque fois, si vous n'avez pas assez de peinture sur votre pinceau, d'en remettre et de dégrader sur votre palette. Donc si ça déborde, vous pouvez racler tout de suite avec un bâton de buis tant que c'est pas sec, ça servira très facilement. Donc maintenant, on va faire les contours de la fleur. Donc pour cela, on va diluer notre peinture bleue qu'on a utilisée pour faire notre one stroke. Et on va prendre le pinceau de détail Roublof, le DK13R Kolinsky 00. Et on va faire les contours de la fleur avec des traits très très fins. On finit par une pointe. On va faire pareil pour les autres pétales. Toujours en finissant par une pointe très très fine. On va faire la même chose pour la fleur qu'il y a au bout de l'ongle. Et voilà.
Donc, une fois que nos contours sont terminés, on va prendre une peinture acrylique jaune très très pâle. Moi, j'ai pris la Naples Yellow de chez Joe Sanja. On va en mettre un petit peu sur la palette. On va reprendre notre pinceau de détail et on va faire un pistil au centre de chaque fleur. Donc le pistil, on appuie, on relâche et en relâchant, on fait un petit mouvement comme ceci. Et on va faire pareil pour l'autre. Voilà. Une fois que tout ça est bien sec, on applique une touche de top coat. Et voilà, ce nail art est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.